new, and he gives us the example that God does not change. The faith does not change. What was true when our Lord passed it to his apostles is still true today. Secondly, Father gives us an example of obedience. Certain people might think that's strange. Father was the one who was disobedient to his bishop. But in fact, these people misunderstand the nature of obedience. Obedience does not mean doing everything that your superior tells you to do, irregardless of what it is. Obedience means obeying God and one's human superiors insofar as they have received the power from God. And so, if one's superior was to tell one to do something which was bad, to say no would not be disobedience, but rather true obedience. And when Father was in a certain way forced to say this new Mass, he refused to obey, because he said, this Mass has never been abolished and never can be abolished. It is the Mass of all time. And in his book, Pastor Out in the Cold, he said, because this Mass is a true rupture with the constant tradition of the Church, not only in liturgy, but also, and firstly, in discipline, in morality, and in dogma. And so he saw that to obey materially would in fact to cooperate with what was destroying the Church, this loss of the faith, which is our sole way to heaven. And so he gives us this example of true obedience. And you know how he was vindicated by Pope Benedict XVI, who said in 2007 that the Mass was never abrogated. As Father Normandin, as Archbishop Lefebvre said way back in the 1970s. But finally, Father gives us the example of charity, of priestly zeal, that he knew that his whole being as a priest is for souls, for God and for souls. And his curate of the time, Father Blow, with whom I was speaking yesterday, told me that what impressed him when he went to the parish of Saint-Yvette was the spirit of prayer of Father Normandin. The time that he spent praying his breviary, praying his rosary, praying his holy hour for souls. And from this spirit of prayer comes the apostolate. Just as our Lord spent many years in his hidden life and then went around doing good. And so for the first 22 years of his priesthood, Father was in the parish ministry in Montreal. And then when he was unjustly put out for being obedient to the Mass of all time, then he went across Canada from one coast to another to bring the traditional Mass to the faithful who sought it, the faithful who have the right to the faith and to the Mass of all time. And we, priests of the Society, must be very grateful to Father, for he began and founded many of our chapels and Mass centers. And so today we give thanks to God, to our Blessed Mother, and to Father, who has gone before us into eternity, but whom we shall surely see again. In a short while we will go to the cemetery, where we will lay his body in the ground like a seed, so that at the last resurrection it will come again. Nous allons maintenant faire l'absoute du corps de Monsieur l'Abbé. Après cela, nous allons au cimetière pour placer son corps comme une semence dans la terre, dans la foi et la certitude qu'au dernier jour, il ressuscitera au son de la trompette quand Jésus revient sur terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, je vais quand même pouvoir vous donner certaines explications sur le fait que je protège toujours les intérêts de la reine d'Angleterre. Pour moi, c'est quelque chose
de primordial et de fondamental, je ne pouvais pas renoncer à ça. Vous savez que la reine d'Angleterre, Élisabeth II, est devenue reine au Canada en 1952. Et en 1952, la reine d'Angleterre, vous saviez que c'est quand même une église anglicane, c'est quand même protestant. Ça date, si on veut, du roi Henri IV en 1553, où il y a eu un schisme dans l'Église catholique, du fait qu'il il a divorcé de son épouse et l'Église catholique ne permettait pas ça. Donc, automatiquement, il est devenu, tout simplement, il a créé l'Église anglicane. Et la reine d'Angleterre se trouve à être chef de l'Église anglicane. Mais la reine d'Angleterre, je vais vous dire franchement, est de l'âge de ma mère. Ma mère, elle est décédée, ça fait 2 ans. Donc, elle aurait eu 94 ans cette année. Ça fait 2 ans. Et puis, la reine Élisabeth, on ne peut pas juger l'esprit d'un chrétien, qu'il soit anglican, protestant ou catholique, parce que cette nouvelle, ce schisme de l'Église catholique a été fait bien avant elle, en 1553, et elle s'est conformée, elle, à la tradition de ses parents. Donc, elle ne peut pas être condamnée par l'homme ou par les hommes pour le motif que sa très excellente majesté, la reine Élisabeth II, est protestante. Elle est quand même chrétienne avant tout. Elle croit en la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Elle croit en la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'enfant Jésus. Elle croit à tout ce que croit la Sainte Église catholique, sauf certains dogmes de l'Église catholique qu'elle ne reconnaît pas. Mais c'est souvent par l'âge et par la tradition, par sa religion traditionnelle à elle, comme l'Église orthodoxe est très très près de la Sainte Église catholique, sauf certains dogmes qui ne sont pas tout à fait en accord. Mais on ne peut pas condamner ces gens-là, parce que le principal intéressé, c'est Dieu. C'est la Sainte Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est lui notre Créateur. C'est un seul Dieu pour notre planète. Les gens peuvent lui donner le nom qu'ils veulent. Mais quand on croit en la Sainte Trinité, qu'on croit au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, à la naissance de Jésus-Christ par la Vierge Marie, vous savez que les Saintes Écritures, la Sainte Bible, a été traduite dans toutes les langues de la planète. C'est encore le plus grand best-seller de notre planète. C'est vendu à travers le monde continuellement. Et ça a été quand même traduit et interprété aussi sous différentes langues. Donc, à partir de là, on ne peut pas arriver et juger qui que ce soit. Puis je vais vous faire la preuve. Moi, je suis monarchiste ici. Le Canada n'a plus de pouvoir exécutif depuis 1875. Vous comprenez, c'est toute de la fausseté. Ça fonctionne par dérogation. La fameuse dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne de 1982, qui se trouve à être R.U. 1982, chapitre 11, qui se trouve à être, c'est l'article 33 sur la dérogation qui déroge à l'article 2 de la même charte, que sont les libertés fondamentales, et elle déroge aux articles 7 à 15 de la même charte canadienne qui déroge à toutes les garanties juridiques. Donc, quand que vous allez devant les tribunaux judiciaires, vous n'avez pas aucune garantie juridique. Et vous savez qu'à partir de là, c'est certain qu'ici, les médias d'information, par les partis politiques, par ces législatures qui sont complètement fausses, parce qu'il n'y a pas de législature ici, c'est la loi Z03 du fédéral qui dit que les lois habilitantes au Canada ne sont pas législatives. Alors que dans le code criminel qui appartient à la reine, qui normalement doit
être sous l'autorité du pouvoir exécutif du Canada, qui est Sa Majesté la Reine, n'existe plus sous le pouvoir exécutif de Sa Majesté la Reine. Elle appartient tout simplement à une couronne, on appelle ça la couronne, et la couronne en question dans la définition. Quand on dit couronne, dans la définition de l'Office national de la langue française, dans l'Office de la langue française, la couronne en question, ce sont tous les fonctionnaires de l'État avec les ministres. Ce sont les fonctionnaires de l'État fédéral et de l'État du Québec, parce que l'État, le Québec, c'est un État depuis 1968. Donc, depuis 1968, le Québec, c'est un État. C'est par dérogation aux articles 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Et cette fameuse dérogation-là permet le caviardage, permet la dispense, permet la confidentialité, le secret et le silence à perpétuité qui se trouve à être la loi O5 du fédéral sur le silence à perpétuité. Donc, quand vous êtes jugé et que vous voulez avoir des vraies réponses des juges, ils ne peuvent pas vous répondre. Moi, je vais comparaître le 11 février prochain au palais du 6 de Granby pour révéler ces vérités-là, pour faire dire au juge ce qu'il est obligé de dire, et s'il ne le dit pas, il va me citer pour outrage au tribunal, parce que je déconsidère l'administration de la justice, donc je viole l'article 28-58 du Code civil et je viole l'article 24 de la Charte canadienne. Et l'article 24 de la Charte canadienne, je peux en déroger comme je veux, c'est l'article 33 de la même Charte canadienne qui me permet de déroger à n'importe qui, à n'importe quoi. Comme les juges peuvent déroger à n'importe qui, à n'importe quoi. On m'a condamné plaideur vexatoire, alors que quand vous allez dans le juridictionnaire de droit, qui est un juridictionnaire de common law, à la page 2222, on définit le mot vexatoire comme s'appliquant à une personne inanimée. Ça ne s'applique pas à une nature humaine. Ça s'applique à la personne physique d'existence obligatoire que nous devons tout simplement nous conformer et nous fusionner. Donc, nous devons renoncer à notre nom de baptême, à nos valeurs spirituelles. Et c'est pour ça que le gouvernement s'est engagé en 1997 à abroger l'article 93 de la Constitution canadienne. Cette fameuse abrogation de l'article 93 fut enregistrée sous l'inscription numéro 500-05-031-133-976. C'est l'honorable juge Ginette Piché qui a présidé justement cette instance-là. Et vous savez que la Cour supérieure, parce que c'était le juge de la Cour supérieure, et la Cour supérieure n'est plus une juridiction fédérale. C'est une juridiction de l'État national du Québec sous le numéro, appelle ça sous la juridiction 88 de Revenu Québec. Donc, l'Assemblée nationale du Québec est assujettie à Revenu Québec sous le numéro d'entreprise NEQ 88-13-81-8000. La Cour du Québec est enregistrée sous le numéro d'entreprise du Québec de Revenu Québec, qui est le numéro 88-13-81-84-48. La Cour supérieure est enregistrée sous le numéro juridique 88-13-81, toujours le 13-81, toujours la division 13-81, 84-55. Alors que la Cour d'appel du Québec, ça c'est une cour de juridiction fédérale, elle est dans la division 31-85, donc son numéro, c'est le numéro NEQ 88-31-85-67-19. Donc, ça, c'est le... Et le 31-85, c'est une juridiction fédérale, et le directeur de l'État civil du Québec est de juridiction fédérale. Donc, c'est sous le numéro 88-31-85-8111, qui est le directeur de l'État civil du Québec.
Et le ministère de la Justice du Québec est enregistré à Revenu Québec sous le numéro d'entreprise 88 13 81 2227. Il est assujetti à Revenu Québec, et Revenu Québec n'est pas un gouvernement. Revenu Québec le dit dans la loi I3, article 1, définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et le Parlement du Québec a été créé en 1968 avec l'Assemblée nationale du Québec. Alors que, vous savez comme moi que depuis 1900... Attendez un petit peu. Vous savez comme moi que depuis 2019, il y a l'Assemblée générale de la Coalition Avenir Québec du Québec qui a été... tout simplement adopté, qui a passé devant la Cour supérieure. Et c'était un recours contre l'Assemblée nationale, contre Jacques Chagnon. Et c'est là que la juge Chantal Lamarche a tout simplement, dans son jugement, dans son dossier, elle a tout simplement reconnu et adopté, si on veut, la fameuse... Assemblée générale du Québec. Là, c'est parce que je n'ai pas le document devant moi. C'est malheureux parce que j'aimerais bien pouvoir vous le donner. Mais je vais vous lire le fameux bill pro forma. Et ce fameux bill pro forma, vous le voyez ici, ça vient de pro forma, Assemblée nationale du Québec. OK, pro forma. Donc, quand on va en cours et qu'il parle de pro forma, automatiquement, la reine n'est plus là. C'est ça qu'il dit. C'est ça que ça veut dire. Même s'ils vous disent le contraire, c'est complètement faux. Ils sont là pour vous mentir. Donc, la définition. Bill pro forma. Projet de loi présenté avant la prise en considération du discours du trône afin d'affirmer le droit qu'a l'Assemblée de délibérer et de légiférer sans égard aux motifs de convocation énoncés par le lieutenant-gouverneur. Ça, c'est nouveau. C'est ça la définition de pro forma. L'adoption en première lecture du bill pro forma est une tradition parlementaire, rappelant que le pouvoir législatif est supérieur au pouvoir exécutif. Donc ça veut dire que le pouvoir exécutif qui sanctionne les lois n'a plus aucun pouvoir. La sanction ne vaut absolument rien. Ils disent bien ici, est une tradition parlementaire rappelant que le pouvoir législatif, donc, la législature du Québec l'emporte sur le pouvoir exécutif, donc sur le conseil législatif du Québec et sur le conseil exécutif qui se trouve à être le cabinet du premier ministre du Québec. En principe, l'étude du bill pro forma ne dépasse jamais la première lecture à l'Assemblée législative jusqu'en 1968, jusqu'à la dérogation aux articles 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique en 1968, on présentait le Bill 1 relatif à la prestation des serments d'office, d'où le nom de Bill des serments. Au Conseil législatif, on présentait le Bill A concernant l'agriculture. Vous comprenez? Mais si on revient en Angleterre, l'Angleterre a dérogé. Donc, le Parlement de Londres, l'Angleterre a dérogé au pouvoir exécutif de la reine. Ils se sont moqués eux-mêmes de leur souverain. Et je vous le lis ici. En Angleterre, au Parlement d'Angleterre, en 1558, les membres de la Chambre des communes commencent leurs travaux avec la première lecture d'un projet de loi Bill et non plus par la prise en considération du discours du souverain. Par une résolution, cette pratique est codifiée en 1604. Or, à proprement parler, il ne s'agit pas encore d'un bill pro forma puisque les projets de loi présentés peuvent ensuite être lus en deuxième et en troisième lecture et, à terme, peuvent être sanctionnés. En 1727, la coutume de présenter un vrai projet de loi est abandonnée, sauf exception, en 1741 et en 1742. Dorénavant, la tradition sera de présenter le Outlaw's Rees Bill à la Chambre des communes et le Select Vestries Bill à la Chambre des Lords. En adoptant ce projet de loi pour la forme,
Le pouvoir législatif affirmait ainsi symboliquement sa préséance sur l'exécutif. Donc, ils disent bien, en adoptant ce projet de loi, la loi sous la forme, le pouvoir législatif affirmait ainsi symboliquement sa préséance sur le pouvoir exécutif, sur le conseil exécutif qui est le conseil législatif du Parlement là, si vous voulez, parce qu'ici c'était le conseil législatif, ça a été abrogé en 1968, en même temps qu'ils ont abrogé l'Assemblée législative du Québec, ainsi que l'autorité et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur. Puis les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur ont été tout simplement supprimés et abrogés en 1952, au chapitre 139 de la loi sur le gouverneur général, qui a fait du gouverneur général une corporation seule, une personne physique. Une personne physique, c'est obligatoire. Donc, voyez-vous que le gouvernement a obligé le représentant de la reine à être une personne physique. Il n'était plus dans la nature humaine de la reine et de la famille royale. C'est pour ça qu'en 1893, au chapitre 14, ils ont tout simplement aboli, si on veut, la famille royale par ses héritiers, dans la question d'héritier et de successeur de la couronne. Vous comprenez? Donc, ça date de 1893 au chapitre 14. Et vous avez le chapitre 53 de l'arrêté en Conseil du Québec, qui est la loi sur les juges vexatoires, accorde aux juges l'immunité de rendre des jugements sur des lois constitutionnelles du Parlement du Canada ou de la législature du Québec. Et ça s'est transformé en chapitre de loi P4, ici au Québec, pour chapitre de loi P4, c'est la loi sur les privilèges des magistrats, qui permet aux juges de rendre des jugements sur des lois inconstitutionnelles du Parlement du Canada ou de la législature du Québec. Donc, voyez-vous qu'on appelle ça de l'anarchie, on appelle ça de l'oligarchie, de la ploutocratie. C'est l'argent qui mène, c'est Mammon qui mène. Et je vais vous montrer ici, maintenant. J'ai prêté serment le 23 août. Le 23 août 2013, à Ottawa, au bureau de William F. Pinckney, le sous-ministre de la Justice, et en vertu de l'article 22.12, ça c'est de la prestation, ça c'est dans le Code civil du Bas-Canada de 1866, qui dit que les droits royaux qui tiennent à la souveraineté et à l'allégeance sont imprescriptibles. Donc, même si en 1980, au chapitre 39 des lois du Québec, qui ont abrogé le Code civil du Bas-Canada de 1866. Moi, mon droit, mon serment d'allégeance en vertu de l'article 22.12 du Code civil du Bas-Canada de 1866 s'applique toujours, nonobstant n'importe quoi qui puisse s'y opposer. Donc, j'ai prêté serment et je respecte mon serment. Et c'est pour ça que Lise Thibault, je demande à la Cour, quand je vais me présenter le 11 février au palais de justice de Granby, ils sont obligés de me fournir le nom du nouveau souverain qui a jugé l'honorable Lise Thibault, alors que Lise Thibault est essentielle sous la protection du souverain, de la souveraine, et le souverain, dans la définition de l'Office national de la langue française, un souverain ici, ce sont les fonctionnaires de l'État avec les ministres. Donc, il n'y a plus d'impartialité. Tout le monde est en situation de conflit d'intérêts. Toutes les institutions publiques appartiennent à Revenu Québec, sont sous juridiction de Revenu Québec. Donc, ils sont assujettis à Revenu Québec. Et je vais quand même vous donner les numéros d'assujettissement ici, les numéros d'entreprise, les NEQ. Donc, ici, la Chambre des communes du Canada, son numéro d'entreprise à Revenu Québec, c'est le numéro NEQ 88 16 15 67 47. Le Sénat canadien, c'est le numéro 88 31 85. Ah, on voit 31 85 là. Donc, c'est 88 31 85 64 61.
Le partenariat public-privé, c'est drôle, hein? Parce que ça, ça veut dire le partenariat public-privé, tout ce qui est privé n'est pas élu par le peuple. Ça, c'est ça l'état profond. Ça, c'est ceux qui gouvernent en arrière, dans l'ombre. C'est l'occultisme. Ça se trouve à être le partenariat public-privé enregistré sur le NEQ 88-31-85-8103. Donc, c'est aussi le 31-85 comme la Cour d'appel du Québec, alors que la Cour supérieure, c'est le 88-13-81. Vous comprenez? Donc, c'est comme l'Assemblée nationale qui est 88-13-81, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on va aller ici plus directement. La Cour d'appel du Québec, c'est le 88, le NEQ 88-31-85-67-19. On va à Revenu Québec. C'est Revenu Québec sous le numéro d'entreprise NEQ 88-13-81-22-68 et 11-43-13-7009. Vous avez aussi l'Assemblée nationale du Québec, qui est le numéro 88-13-81-8000. Vous avez aussi le ministère de la Justice du Québec, qui est le numéro 88-13-81-2227. Vous avez la Cour du Québec, qui est le numéro 88-13-81-84-48. Vous avez la Cour supérieure, qui était une juridiction fédérale auparavant, qui appartient au Québec maintenant. Elle n'a plus de juridiction fédérale. C'est le numéro 88-13-81-84-55. Et vous savez qu'il y a quand même aussi, je vais quand même vous le trouver ici, parce que j'ai le Conseil de la magistrature du Québec, qui est le numéro 88-1705-8926. Ça, c'est le numéro du Conseil de la magistrature du Québec qui est en français, alors qu'en anglais, sous le même numéro 88-1705-8926, c'est le Conseil canadien de la magistrature. C'est comme le barreau du Québec ici, le barreau du Québec, très, très, très hypocrite dans sa définition, dans son identité, dans le numéro 88-1418-0145. En français, c'est le barreau du Québec. Mais en anglais, c'est le barreau de la province de Québec. Ça, c'est en anglais. Of Province of Quebec. Donc, vois-tu qu'il y a deux identités. En français, c'est le barreau du Québec, et en anglais, c'est le barreau de la province de Québec. Alors que vous savez quand même que la province de Québec, ça n'existe plus depuis 1968, depuis qu'ils ont créé l'Assemblée nationale ainsi que le Parlement du Québec. Et vous savez que dans la Constitution de l'Assemblée nationale du Québec, 88-13-88-8000, quand vous lisez le rapport, c'est bien écrit que l'Assemblée nationale du Québec est une seule législature, par dérogation, a été constituée en 1867. C'est écrit noir sur blanc. C'est les avocats qui ont décidé ça et les juges l'ont accepté. Il n'y a jamais personne qui a protesté contre ça. Et vous savez qu'un juge, s'il est en autorité et s'il veut garder son honneur, doit protester lui-même sur des choses qui n'ont pas d'allure et qui ne tiennent pas debout. Les juges sont obligés de le faire. Ils doivent devenir des citoyens naturels comme nous. S'ils ne protestent pas, c'est qu'ils restent dans leur statut de personne physique inanimée. Ils représentent cette personne physique-là. Et tu ne peux pas poursuivre un juge sous sa personne physique. Il faudrait le poursuivre sous sa nature humaine, à partir justement de son nom de baptême, sans numéro d'assurance sociale ou sans quoi que ce soit. Et ces gens-là n'acceptent pas ça. Même si ces gens-là ont plus ou moins doctrine de se conformer à une religion quelconque. Sauf plusieurs sont dans des sociétés occultes. Mais ça, ça n'intéresse pas personne. C'est leur choix à eux. C'est leur esprit à eux. C'est leur âme à eux. Ça ne nous concerne pas. Donc, vous savez que quand on regarde le bill pro forma, ben là, je vais quand même pouvoir vous montrer mon assermentation ici. Mon assermentation, voilà. 2013, le 23 août 2013. Loi sur les serments d'allégeance, LRC, voyez-vous. Et serment d'allégeance, c'est mon serment d'allégeance ici.
le serment d'allégeance qu'il procède d'une initiative personnelle, d'une exigence légale et d'une obligation imposée par une règle de droit en vigueur au Canada, à l'exception de la loi constitutionnelle de 1837. Imaginez-vous, à l'exception. Puis moi, peu importe l'exception, c'est pas ça qui m'intéressait. J'ai fait mon serment d'allégeance comme suit. Je, baptisé Jacques-Joseph Antoine-Pierre, ou